Oui, les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais faire un audio très rapide. Il sera pas long. Voilà, c'est pour vous marquer, pour vous montrer vraiment le mois de mai 2022 et la prochaine élection présidentielle. Je pense qu'elle va être complètement transformatrice pour la France. Et je pense que cette élection de mai 2022 causera autant de transformations en France que le passage du franc à l'euro. Je suis très clair quand je dis ça. Voilà. Et si je dis ça, si vous voulez, c'est parce que... Regardez ce qui se passe ailleurs. Peut-être que la personne élue en mai 2022 va agir sur l'euro et la zone euro et va agir sur la monnaie française ou sur la monnaie qu'on utilise en France. Et j'en veux pour preuve, regardez ces aspects d'Uranus et de Saturne à l'Uranus natal de la 5ème République. Vous voyez, ce sera le moment, d'ailleurs j'en ai parlé dans une autre vidéo, l'effondrement français daté et expliqué, où vous voyez qu'Uranus, en mai 2022, est au carré d'Uranus natal, vous voyez, à l'exact, le 10 mai 2022. Et ce qui est intéressant, c'est que sur toute l'année 2021 avant, Saturne flotte à l'opposé d'Uranus. Et c'est quelque chose qu'on retrouve totalement sur 1999. Comme vous voyez, regardez, les deux planètes sont en inverse, d'ailleurs. Hein, en 2022, on a Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. Et en 1999, on avait Uranus en Verseau, à l'opposé d'Uranus, comme vous pouvez le voir. Et Saturne en Taureau. C'est d'ailleurs marrant de voir que les nœuds lunaires sont toujours présents dans la configuration. Et excusez-moi, en 99, début 2000, sur l'arrivée de l'euro, justement, le début de l'euro, là, on a eu ces nœuds lunaires aussi sur l'Uranus de la cinquième, et c'est marrant de voir qu'en mai 2022, Uranus et les nœuds lunaires seront conjoints, et que les nœuds vont faire carré à Uranus, voilà. Ça, c'est assez intéressant, franchement, c'est très très intéressant. Alors après, il y a d'autres aspects qui peuvent présager que mai 2022 va avoir une élection très importante, là, avec Jupiter-Neptune, vous voyez, la conjonction maître-maîtresse de la 5ème République, elle revient aspecté. C'est d'ailleurs 2022 l'année de la conjonction de Jupiter à Neptune. Donc ça va être un grand tournant 2022 pour la France. Là, les élections présidentielles 2022, elles vont causer tellement un énorme fracas qui pourrait s'apparenter à un changement, on va dire, aussi brutal et aussi profond que la transformation qu'on a eue lors du passage de l'euro au franc. Enfin, quelque part, symboliquement. Mais c'est vrai que, alors c'est vrai qu'au 1999-2000, il y avait Pluton qui était aussi... En carré à l'ascendant. Mais c'est marrant de voir justement que juste après l'élection de 2022, il y a Pluton qui va faire carré à la conjonction maîtresse d'ascendant. Donc on retrouve ces aspects. Saturne arrive à l'ascendant de la 5ème République, on va dire entre 2024 et 2026. Mais c'est vrai que quelques années après l'élection de 2022, il y a des aspects très très durs là, sur le thème de la 5ème République, qui me font dire qu'il y aura des grandes, grandes, grandes transformations. Alors, est-ce qu'il y aura un parti extrémiste qui est élu pour 2022, pour mai 2022? Je le pense très sincèrement. Je pense très sincèrement que l'élection de mai 2022 va être peut-être accueillie au début comme un grand miracle par beaucoup de Français, mais qu'elle peut s'avérer être très traîtresse et très dangereuse par la suite pour beaucoup d'entre eux et pour même le corps de la 5ème République. Parce que là, on regarde le thème de la 5ème République et c'est vrai que ça peut amener de gros changements, de grandes transformations. Et même si c'est Macron qui repasse, pour moi, Macron est un extrémiste. Donc je pense que oui, il y a une tendance encore plus extrémiste qui s'annonce pour 2022. Mais le changement est tellement brutal qu'il va y avoir une grosse crise là sur 2021-22 ou un regain et un grand changement de paradigme, un grand changement dans la 5ème République. Et je vous dis, ce changement, on le voit, parce que en termes d'aspect, hein, avec Saturne, Uranus, les nœuds, on voit qu'on revient sur la même chose qu'au passage de l'euro. Donc il va y avoir un mai 2022 monstrueux, là. Et c'est pas des blagues, hein. Vous pouvez regarder les aspects, vous pouvez en parler à d'autres astrologues. Je sais pas si certains vont prendre autant de risques que moi. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo de l'effondrement français que je vais mettre, enfin des dates assez importantes pour l'effondrement de la 5ème République. Parce que je pense l'effondrement de la 5ème République, pour moi, c'est un système qui ne durera pas dans la France aujourd'hui. Il est plus actuel, il tient plus et peut-être qu'il va y avoir tellement de chaos entre ce mai 2020, on va dire sur ce printemps de 2020 et ce janvier 2021. Et autour de ces dates, et peut-être jusqu'à l'élection présidentielle de mai 2022,
qu'il faudra peut-être amener de l'extrémisme ou quelque chose de beaucoup plus dur, un régime et un président beaucoup plus autoritaire. Et même si c'est le même président, il se peut qu'une tournure antidémocratique ou liberticide et extrémiste puisse fortement arriver après 2022. Elle arrivera beaucoup plus sur 2024-28 en fait. C'est là où ça peut se compliquer. Alors évidemment, on n'est pas sur 2027 et les prochaines élections, mais on verra. Mais c'est vrai qu'après l'élection de 2022, il peut y avoir de grandes difficultés à continuer une 5ème République normale. Et peut-être qu'il n'y aura pas d'élection en 2027, vous voyez, à voir, hein, à surveiller. Mais on peut s'attendre à quand même de grands changements de fond dès 2022 et ensuite de 2024 à 28. Alors là, je vous réfère à la vidéo de... À la vidéo que je vais mettre en description, je vais pas m'étaler plus et répéter ce que j'ai déjà dit. Je vous remercie en tout cas de vos messages, de vos mails. Beaucoup de gens m'ont écrit vraiment sur ces fêtes. J'ai pas pu répondre à tout le monde. Beaucoup m'envoient des messages. Alors des messages un peu plus techniques, les messages ceux qui sont intéressés par des entretiens, j'essaie de répondre au plus vite. Mais c'est vrai que j'ai pas pu répondre à tout le monde sur Facebook pour la bonne année, sur les mails, sur le VK de partout. Tout le monde m'écrit de partout sur Facebook, VK, Messenger, ma boîte mail perso, ma boîte mail pro. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Donc en tout cas, je vous embrasse ici et je vous remercie vraiment en tout cas pour toutes celles et ceux qui me suivent, qui me mettent des likes, qui m'ont motivé à faire cette chaîne et motivé à me lancer dans ce projet qui marche bien. En plus, on voit là, ça prend bien. Je vais arriver bientôt là, je suis à plus de 4500 abonnés. Vraiment, c'est inespéré là. En quelques temps là, vraiment, j'ai bien grossi. Et c'est d'ailleurs sous un beau transit de Jupiter pour ma part. Mais c'est vraiment inespéré et c'est très sympa de votre part. Voilà, je vais m'arrêter pour là. Mais vraiment, on en reparlera d'ici l'élection présidentielle de 2022. Mais je suis convaincu que c'est un changement radical qui arrive sur 2022. Un changement de paradigme énorme. Équivalent finalement à celui comme quand on est passé du franc à l'euro.